souvent mal compris. Et ce, non seulement par les convertis, par les inconvertis, mais par son peuple. C'est un problème grave pour un chrétien, pas contre bon Dieu. Je reprends. C'est un problème grave pour un chrétien, pas contre bon Dieu. Cette ignorance est un problème grave, dis-je, parce que ce que tu vois affecte ce que tu crois. Je ne manquerai de rien. Pas vous l'avez dit, ou pas j'aime grand goût, ou pas j'aime soif. Mais je manquerai de rien, je ne manquerai de rien, vous l'avez dit. Quand tu as un manque, Dieu le comblera. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, salut. Nous contents, et nous disons bon Dieu merci pour grâce qui fait nous pour nous capables de retrouver nous encore une fois à la table de la parole pour recevoir les instructions du Seigneur. Nous espérons jusqu'à présent un amour béni avec série de messages ça sous somme 23. Nous encourager ou partager avec 11 amis, oui, partager avec une famille. Et là va pour les mêmes une source de grâce et de riches bénédictions. Déjà, nous souhaitons bonne audition et soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Somme 23, ouvrez Bible ensemble avec moi, en nous aller. En nous lisant ensemble, Napli, Somme 23. Et pas oublier que ma prêté sous partie qui dit je ne manquerai de rien, mais en nous lisant toute somme dans pour les besoins de la cause. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindouilles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur, ouvrez genoux pour nous comprendre parole. Dans nos Jésus, nos prières. Amen. Et m'a pas encouragé à partager ce service-là avec nos amis qui doivent bénir par sa bon Dieu voulait apprendre nos matins. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, la Bible contient de nombreuses promesses, des choses que Dieu se propose de faire et d'accomplir. Ces promesses ne sont pas toutes automatiques. Certaines d'entre elles exigent la fidélité de l'homme, tandis que d'autres ne dépendent que de Dieu. C'est la différence qu'on fait entre les promesses conditionnelles et les promesses inconditionnelles. Et quand Dieu agit, quand il fait quelque chose, l'humain lui donne des noms et tire des conclusions sur sa personne. Le verset qui nous interpelle ce matin n'est pas une promesse, mais plutôt la conclusion d'un homme qui a fait des expériences avec Dieu. Et en raison de ces expériences-là, il dit, je ne manquerai de rien. D'entrée de jeu, le lecteur attentif est frappé par la force de cet énoncé. L'humain est une créature à besoin. Qui ne manque ou n'a jamais manqué de quelque chose, d'un bien, d'un rêve, d'une affection? Certaines gens en ont moins, d'autres plus, mais tout le monde a des besoins. Et pour une communauté d'immigrants que nous sommes, de plus un groupe marginalisé, il est difficile de dire « je ne manquerai de rien ». L'expression fait problème quand on considère la réalité du quotidien. Il est des fidèles qui manquent le minimum nécessaire, nourriture, vêtements et logements. Comment expliquer ce verset à un enfant de 5 ans qui va au lit avec le ventre creux? Quel est le sens de ces paroles pour une femme négligée, battue, abusée ou violée? Comment s'approprier cette déclaration dans le cas de perte d'un parent de manière soudaine et prématurée? L'expression fait problème. Elle fait problème pour ceux qui vivent au jour le jour. Elle fait problème pour ceux qui cherchent une âme sœur. Elle fait problème aux couples qui attendent un enfant, aux parents qui survivent à la folie des enfants gâtés, aux vieillards qui vivent seuls ou dans des maisons de retraite, aux rêveurs désillusionnés, aux croyants séduits et à ceux-là qui se sentent rejetés et abandonnés. À lire ou à entendre le texte,
On peut garder le mutisme par désévolture ou par révérence, mais la personne qui pense, la personne qui réfléchit, ressent parfois cette tension entre ce que le texte dit et la réalité qu'elle vit. Elle se dit probablement, l'assertion « je ne manquerai de rien » peut être vraie pour David, mais pas pour moi. And I can hear some millennials say under their breath, that's not true for me, Pastor. I don't have a job and I don't have money. I don't have a car and I don't have an apartment. I don't have a man and I don't have friends. I don't have a family and I do not have children. The psalm sounds good, Pastor. But it's not true for me. In case you think that David was born with a golden spoon in his mouth, let me remind you that things were not always good for him. Les circonstances n'ont pas toujours été favorables à David. David a connu la vie dure. David te connaît le mépris et le rejet. Il te connaît la persécution et sacré les dominages. David, son aigle, a même fait malhonnête pour manger. Comment monsieur fait camper? Avec toute histoire ça, avec tout passé ça, avec toute expérience ça, avec tout baggage ça, pour le camper, pour le dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Pas le dit, ou pas j'aime grand goût, ou bien pas j'aime soif. Je ne manquerai de rien. Pas le dit, ou pas j'aime manquera de fait, l'assemblée. Amen. Le manque, c'est une méthode, bon Dieu, utilisée pour le former petit lit. Quand Moïse décrit l'expérience du désert, il dit en Deutéronome chapitre 2 verset 7, car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert, voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi, et tant de saldis, tu n'as manqué de rien. Et en Deutéronome 8 verset 4, Moïse dit comme ça, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. De fait, Dieu leur avait donné la manne du ciel et l'eau du rocher. Ils s'étaient fait colonne de nuée le jour et colonne de feu la nuit. Et quand Moïse fait le rappel de la vie dans le désert, il dit au peuple, tu n'as manqué de rien. You did not have a mansion, but you lack nothing. You did not have chariots, but you lack nothing. You did not shop at Neiman and Marcus, but you lack nothing. You did not eat at Capriani, but you lack nothing. You did not have running water, but you lack nothing. You did not sleep at the World of Astoria, but you lack nothing. In other words, où t'es bien? Et puis entendez bon Dieu à parler à mon matin, et bon Dieu a dit ou bien vos textes qu'on y a dans le chat là, dit bien bien m'kabage tout bagaille, mais bien Marie ou capable affection te souhaité, mais ou bien madame ou capable apprécier à ta juste valeur, mais ou bien ou que doit pas arrêter in the best of neighborhoods, mais ou bien ou que doit pas rouler auto 2021, but ou bien ou qui doit pas gagner job ou te rêver, mais ou bien ou qui doit pas gagner pile l'argent en banque, mais ou bien Moïse dit pendant 40 ans tu es dans le désert, tu n'as manqué de rien. Et c'est même Moïse qui dit en Deutéronome 8 verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Wait a minute. Did he not just say, you lack nothing? And now he says, he humbled you and make you suffer hunger? Est-ce que Moïse pas fait dit, pendant 40 ans, ou pas te manquer rien?
Et même Moïse, c'est lui-même qui dit, il, c'est-à-dire Dieu, t'a humilié et t'a fait souffrir de la faim. Je ne manquerai de rien. Hein? Pas vle dit ou pas grand goût. Pas vle dit ou pas soif. Li t'a semblé dans la vie nous, un mauvais moment à passer. C'est pas moun qui responsable. C'est pas moun qui barre ou. C'est pas moun qui parle ou. C'est pas diable racial qui a nuit ou. Que mauvais moment a passé. C'est bon Dieu qui responsable. C'est bon Dieu qui fait mes potes là. C'est bon Dieu qui fait mes barrières. C'est bon Dieu qui se réclé. C'est bon Dieu qui campe sous tout. Qui tout pas passer jodi a. C'est bon Dieu qui dit ou pas manger jodi a. Frère l'autre qu'on dit. C'est bon Dieu qui a boulonné ou. C'est bon Dieu qui a serré boulon. C'est bon Dieu qui a beaucoup de ton vis. C'est bon Dieu qui a bon chalet. C'est bon Dieu qui a pas tout un coup maille moulin. C'est bon Dieu qui a pétri. C'est Dieu qui te poursuit et qui t'enveloppe dans son filet. Je ne manquerai de rien. Pas vle dit. Ou pas j'aime grand goût ou pas j'aime soif. Mais je manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, vle dit. Quand tu as un manque, Dieu le comblera. L'expression « je ne manquerai de rien » Stay with me now. L'expression « je ne manquerai de rien » pas gagné pour avec David. Li pas gagné pour avec éducation, avec possession, avec richesse, avec sale gain ou bien sale pas gagné. L'expression « je ne manquerai de rien » est la conséquence de sa relation avec le Dieu berger. Une autre façon de lire le texte est la suivante. Puisque l'Éternel est mon berger, conséquemment, je ne manquerai de rien. Ou qui doit dire, because the Lord is my shepherd, I have everything I need. My God, this statement suggests that David knew something about the shepherd. Then comes the question, what did David know about the shepherd? Let me answer it for you real quick. David knew something about God's possession. He knows that God, he knew that God has stuff. Let me flesh it out. Le Dieu de la Bible est souvent mal compris, et ce non seulement par les convertis, par les inconvertis, mais par son peuple. C'est un problème grave pour un chrétien, pas contre bon Dieu. Je reprends. C'est un problème grave pour un chrétien, pas contre bon Dieu. Cette ignorance est un problème grave, dis-je, parce que ce que tu vois affecte ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine ce que tu reçois. Bon, me dis encore. Me dis comme ça. Raison que fait un problème grave pour un chrétien par contre bon Dieu, c'est parce que ce que tu crois est ce que tu vois est ce que tu crois, et ce que tu crois elle détermine ce que tu reçois. En d'autres mots, ou autrement dit, ça ou quoi bon Dieu qu'a fait, généralement c'est ça ou à point. Donc, le Dieu de ta vision sera le Dieu de ta provision. Le problème n'est pas au niveau de la provision que Dieu donne, mais au niveau de la vision de Dieu que tu possèdes. Dis-moi, quelle est la vision de ton Dieu? Je te dirai ton niveau de provision. Si tu crois que Dieu est puissant, tu ne verras pas sa puissance. Si tu crois que Dieu est méchant, tu ne verras pas sa bonté. Si tu crois que Dieu est dur, tu ne verras pas son amour. Si tu crois que Dieu est déloyal, tu ne verras pas sa fidélité. Si tu crois que Dieu est pauvre, tu ne vivras pas sa richesse. Et si tu crois que Dieu est mesquin, tu ne vivras pas sa générosité. Problème, non? C'est que Jean, ouais, mon Dieu, c'est comme ça qu'on va vivre, mon Dieu.
sans attendre de bon Dieu, c'est ça qu'on joigne. Sous quoi bon Dieu pauvre, ou à vivre une vie pauvre. Sous quoi bon Dieu cabaye, c'est comme, ou à joindre, c'est comme. Sous quoi bon Dieu cabaye, petit bagaille, petit caille, petit madame, petit machine, petit rade, petit soulier, petit ministère. Et puis tu vas vivre petit. Et puis tu me dis pas non comme ça. Et tu me dis pas non rapport comme ça. Me dis pas non respect comme ça. Me dis bon Dieu trop grand. Bon Dieu trop puissant. Et puis tu me dis bon Dieu, I trust you for millions. I trust you for big things. Me fais confiance pour un grand ministère. Me fais confiance pour un grand avenir. Me fais confiance pour de grandes choses. Me fais confiance pour un gros caille. Me fais confiance pour une grande famille. Me fais confiance pour une belle madame. Me fais confiance pour bon Simone. Sans quoi, c'est ça pour Joël là, c'est comme ça la vie. Et puis tu me donnes mon Dieu dit, monte vision. Et puis tu m'as monté provision. Monte vision. M'a monté provision. Monte vision. M'a monté provision. Monte attendu. M'a montré ça me café. Monte prière. M'a monté exaucement. Et puis nous faisons un texte. Dis Seigneur, fais-moi grand. Seigneur, fais-moi grand. M'bablé, ouais mon Dieu petit. M'bablé, ouais mon Dieu mince. M'bablé, ouais mon Dieu puissant. The last time I checked, yo dim notre Dieu est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs des montagnes et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi. C'est mais l'eau forme. David dit. Raison que fait David dit. Ne pas manquer rien. C'est parce qu'elle connaît. Qui est ce que j'ai. Ou après marqué dans la Bible, bon Dieu a peuplé plusieurs révélations. Israël est un peuple à révélation divine multiple. Bon Dieu n'a pas révélé tête li à Israël seulement une fois. Il n'a pas révélé tête li à Israël deux fois. God keeps on revealing himself to Israel. And most of the time, every or each revelation comes with a new name of God. Aïe, aïe, aïe. Chaque révélation finit avec un autre nom pour mon Dieu. Ou t'en dis, Aurélel, Jéhovah Jireh. Ou t'en dis, Aurélel, Jéhovah Rapha. Ou t'en dis, Aurélel, Jéhovah Nissi. Ou t'en dis, Aurélel, Jéhovah Makadesh. Ou t'en dis, Aurélel, Jéhovah Shalom. Ou t'en dis, Aurélel, Jéhovah Shabaoth. Ou t'en dis, Aurélel, Jéhovah Tsikenu. Ou t'en dis, Aurélel, Jéhovah Shalom. Ou t'en dis, Aurélel, El Elyon, El Roi, El Olam, El Gibor, ou t'en es Aurélel, Yahweh Elohim. Et puis tu me parles à mon Dieu. Je dis mon Dieu, why do you have so many names? Je dis mon Dieu, pour qui raison que tout nous ça? Et mon Dieu dit, aïe aïe aïe, raison que femme que tout nous ça? C'est parce que au cas où on ne pas connaît comme Jéhovah Jireh, il y a connaît comme Jéhovah Shalom. Au cas où on ne connaît pas comme Jéhovah Shalom, il y a connaît comme Jéhovah Shabaoth, le Dieu des armées qui défend son peuple et qui l'amène au combat. Au cas où on ne connaît comme Jéhovah Shabaoth, il y a connaît comme El Gibor, le Dieu tout-puissant. Gagne un groupe de monde sous la terre qui doit connaître qui est ce bon Dieu. Gagne un groupe de monde sous la terre qui doit connaître le caractère de Dieu. Gagne un groupe de monde sous la terre qui doit connaître les capacités de Dieu. Et demandez pour qui raison. L'Éternel dit, m'vle au connaître pour pouvoir mieux
me vivre. I want them to know me so that they can live who I am better. So that they can experience me deeply. Not only I want them to know who I am so that they can enjoy me, know me, experience me, expect things from me, but so that they can teach it to others. Le David dit, je ne manquerai de rien. He said that because he knew something about God's possession. Et puis tout le monde au monde qui dit, tell me about God's possession. Et puis tout le monde au monde qui dit, nous sommes 24, 1 à 2. À l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. M'tende au monde qui dit, tell me about God's possession. Et puis tout le monde au monde dit, il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. M'tende au monde qui dit, tell me more about God's possession. Et puis tout le monde dit, nous sommes 89, versets 11 et 12. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent en ton nom. Et puis tout le monde dit, mon qui dit, tell me more about God. Et puis tout le monde dit, mon Dieu dit comme ça, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Et puis tout le monde dit, tell me more. Et puis tout le monde dit, Haché dit comme ça, l'argent est à moi et l'or est à moi. The silver is mine and the gold is mine. Et puis tu me dis, mon Dieu, ça qui est pour avec David qui dit, je ne manquerai de rien. Et puis tout, mon Dieu, réponds-moi. L'idime, où est-ce que tu as besoin? Non même. Où est-ce que tu as besoin? Non même. Percée, vous cherchez? Non même. Délivrance, vous cherchez? Non même. Grâce, vous cherchez? Non même. Faveur, vous cherchez? Non même. Père, vous cherchez? Non même. Direction, vous cherchez? Non même. Promotion, vous cherchez? Non même. Élévation, vous cherchez? Non même. Secours, vous cherchez? Non même. Sécurité, vous cherchez? Non même. Guérison, vous cherchez? Non même. David, tu as dit, je ne manquerai de rien. Parce que David, tu connais que bon Dieu l'a servi à lui posséder toute bagaille. David said, I shall not want, because he knows something about God's possession. But he said, I shall not want, because also he knows something about God's performance. Stay with me now. I just talked to you about God's possession. Now I want to talk to you about God's performance. Ou qu'attendez parler de bon Dieu, mais ou poko vraiment kon bon Dieu, tout autant ou pas fait expérience avec bon Dieu. Quand David dit, je ne manquerai de rien, il n'a pas parlé d'une théorie. Il t'a raconté yon vécu. Dieu a fait ses preuves dans la vie de David. Rejeté par son père, humilié par ses frères, méprisé par ses ennemis. Pas de monde qui te pensait, David t'a jamais sauté en bagaille. Et puis tout, bon Dieu, gardez David. Bon Dieu, où est David? Et bon Dieu dit, la fait David, saute ton bagaille. La fait David, yon moun important. La fait honneur David. La levé David. La bat David, yon nom. Et puis tout, l'éternel, fourré mêle, non rage. L'éternel, fourré mêle, non rabois. L'éternel fourré mêle dans le champ des moutons. Et tout le peuple, il prend David. Il dit ma foi. Il dit ma foi. Aïe, aïe, aïe. Les tout le monde, ouais. On gardien mouton. Bon Dieu, t'es ouais, on roi. La performance de Dieu dans la vie de David était une performance
compétente. Dans la vie de David, bon Dieu montrait ça le café. Bon Dieu montrait son aptitude extraordinaire. Bon Dieu montrait sa grande capacité. God show what he could do. Et puis tout me tendez, un jeune garçon, peut-être perdu route li dans la vie. Et puis tout l'a demandé, est-ce que m'a sauté ton bagaille? Est-ce que m'a réussi? Est-ce que m'a passé? Peut-être qu'une jeune fille qui tendez là, ou t'a aimé, rive un bagaille, ou que des rêves et des projets. Anéo aller et anéo rentrer. Li pas semblait en rien à marcher pour. Et me tendez bon Dieu dit, m'ta fort. On bagaille. La performance de Dieu dans la vie de David n'était pas seulement une performance compétente, mais c'était également une performance consistante. David a souvent frôlé la mort. What does that mean, preacher? David passait ras de la mort en pile fois. C'est lui-même qui dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est lui-même qui dit, les liens de la mort m'avaient environné. Mais David te joint dans bon Dieu, pas seulement une performance compétente, mais te joint dans bon Dieu une performance consistante. What is the difference between competency and consistency? Stay with me now. You can be competent and not consistent. And if you are competent and not consistent, your competency serves me nothing. Because quand l'arrivé, ou pas seulement besoin yon mais compétente, ou a besoin yon mais qui consistante. Ça veut dire yon mais qui toujours là. Chaque fois tomber dans problème li là. Et si m'apprends temps pour me poser une question, ou même qui vivent jusqu'à présent, combien de problèmes ont tombé là-dedans et puis tout là toujours? Combien de tracas ont tombé là-dedans et puis tout là toujours? Combien de problèmes ont tombé là-dedans et puis tout là toujours? Combien de fois y aura les âmes sous et puis tout là toujours? Combien de fois fait accident et puis tout là toujours? Combien de fois on fait complot pour y finir avec eux et puis tout là toujours? Combien de fois y attaqué en nuit, y attaqué dans le monde visible, y attaqué dans le monde visible? Et puis tout regarder où est ennemi en voulait tuer, où elle voulait trangler, où elle voulait tout faire. Et puis tout râler face où elle est Jésus. Et puis tout même côté, ennemi a obligé de voler, ennemi a obligé de voler gagé. M'a vin parler au matin, ton bon Dieu qui compétent, même vin parler ton bon Dieu qui consistant. Ça me l'a dit, it does it. Every time. Now it's one thing to have a shot one time. It's another thing to have a shot two times. It's still another thing to have a shot three times. Because the last time I checked, Michael Jordan missed a shot. The last time I checked, Stephen Curry missed a shot. But my God, never misses a shot. Aïe aïe aïe. Li pas jamais raté. Chaque ballon tiré l'entré. Et puis tu me dis, bon Dieu t'es maté. Puis à vous en 2001. Bon Dieu t'es fait gol là pour vous en 2002. Bon Dieu t'es fait gol là pour vous en 2018. Bon Dieu t'es fait gol là pour vous en 2019. Bon Dieu t'es fait gol là pour vous en 2020. La fait gol là en 2021. Et puis tout dit vos textes. Dis Seigneur, fais gol là, fais gol là, fais gol là. Fais gol là. Fais gol là. Ou même qui pas jamais raté, fais gol là. Ou même qui pas jamais échoué, fais gol là. Ou même qui pas jamais manqué, fais gol là. And now, le ou fait l'expérience d'un Dieu compétent. Le ou fait l'expérience d'un Dieu consistant. Cela te permettra à développer en Dieu une confiance inébranlable.
C'est cette confiance inébranlable en fonction de ce qu'il a fait dans le passé et en fonction de ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est cette confiance-là qui te permettra d'envisager l'avenir avec sérénité et avec assurance. Bien-aimé dans le Seigneur, 2020, rentrez dans l'histoire comme l'une des années les plus troublées et les plus mouvementées de la terre. La pandémie du COVID-19 a mis le monde à genoux. Et en qualité d'étudiant de la Bible, nous sommes en droit de nous demander, sommes-nous arrivés au temps dont a parlé le médecin bien-aimé quand il dit en Luc 21, versets 25 et 26, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car la puissance des cieux seront ébranlées. Some may be asking, Pastor, what will 2021 bring? Will we make it through this crisis, Pastor? Will we survive this pandemic? Gen ki ap di, pas, mpe. Mpa kon sa pou mfe. Mpa kon si pou mpa pran vaksin. Mpa kon si pou mpran vaksin. Mpa kon si pou mlage kom Haiti. Mpa kon si pou mrete ici. Some are wondering. Et ça fait me penser à l'histoire d'un alpiniste. Yon alpiniste, son moun ki grimpe mon. Hein? Son moun ki grimpe moun. Et moun sa ou des fois kon pran moun mené avec yo. Mais gon alpiniste ki grand moun. Li plissé. Et puis gon jeune garçon overweight who happened to be the one that day he was supposed to take to the top. I'm telling you, he's young. He's overweight. And the man is old. And frail. Le mi arrivé nan rimon. Mi di grand moun. Jom gado feb. Jom wè mè ou tremblan. Figou plissé. Ou kwè wap karive nan mon nan avèm. Et puis tout grand moun nan gade misye li di pa bétizo avèm jeune garçon. Monte ak moun ki pi gros passé ou. Et monte ak moun ki pi strong passé ou. Don't you worry, I will take you on top safely. Et puis tout m'tande bon Dieu di ou, pa bêtise avèm. Monte ak génération déjà. Don't you hear? Comme gen kap ke moi même bon l'éternel m'pren soin on pep en dans au désert. Pendant 40 ans, rad sou yo pas usé, pied pas enflé, mba yo la main du ciel et mba yo l'eau du rocher. Le David dit, je ne manquerai de rien. Il nous something about God's possession. And he knows something about God's performance. He knew that God was a competent performer. And he also knew that God was a consistent performer. And that led him to have confident trust in him. Et tout m'entendez, bon Dieu dit ou, je ne manquerai de rien, Pablo dit ou pas manqué, mais ça veut dire l'homme manqué, m'a comblé manquant. Et si m'a pas comblé, m'a bord de quoi pour vivre avec. Parce que bon Dieu dit, c'est ça m'te dit Paul. M'dit Paul, I'm not going to do it, but I'm going to give you grace for it. Ma grâce te suffit. Somme capable dit, conclusion ça livrée. Les David dit, je ne manquerai de rien. C'est parce que le compte bon Dieu là, pas blaguer. When you are weak, he will be your strength. When you are poor, he will be your provider. When you are in the courtroom, he will be your lawyer. When you are in the storm, he will be your shelter. When you are attacked,
He will be your defender. When you are depressed, He will be your encourager. When you are tested, He will be your water. When you are hungry, He will be your bread. It means when you are weak, He will be your healer. And when you are dead, He will be the resurrection and the life. He will put food on your table, a roof over your head, gas in your car, a pep in your step, joy in your heart, a joy in your heart, and a song on your lips. I shall not want. I shall not want. So I fear no man. I am intimidated by no devil. I will be deterred by no one. I will be stopped by no hater. I will be overcome by no evil. I will be conquered by no feelings, because the Lord is my shepherd. I shall not want. The greatest need of men throughout history was not the need of house or car or some big personal or collective need. The greatest need of men was the need of a savior. And when Paul is reflecting on it, he says, how shall he will not give us all things? S'il te kapab banou Chris, ki sal pap banou encore? M'tende bon Dieu qui dit, I've done it before and I'll do it again. I have done it before and I'll do it. Nous espérons que nous avons béni par message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou capable via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment du côté et gens qui plus facile pour vous. Nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former monde, édifier et ainsi pour nous capables de faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous l'aguions dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons bon Dieu, remets-nous, nous remets tout. Bye bye.